La dictature continue au pays d'Obiang, en Guinée équatoriale. Alors qu'un militant historique invité par la première dame à rentrer au pays a été assassiné 15 jours après son arrivée. On pouvait penser que la justice ferait son travail pour connaître le nom des assassins, qu'il ne doit pas être difficile de trouver, lorsque l'on sait à qui le crime profite. Pour couper court à toute possibilité de justice, le président Obiang vient de dissoudre le pouvoir judiciaire par un simple décret dictatorial. Voici le texte du décret dictatorial. La présidence de la République de Guinée équatoriale, autrement dit le président Obiang, a sanctionné le décret numéro 36-2015, portant dissolution totale du pouvoir judiciaire. Oui, vous avez bien lu, portant dissolution totale du pouvoir judiciaire. Attention, ne riez pas, par convenance d'un meilleur service. Par convenance d'un meilleur service, par convenance d'un meilleur service, par convenance d'un meilleur service, par convenance d'un meilleur service et faisant usage des facultés qui me sont conférées par l'article 41 de la loi fondamentale de l'État, il a été décidé de stipuler la dissolution totale du pouvoir judiciaire. Je l'ordonne par le présent décret, fait à Malabo, le 20 mai 2015, pour une Guinée meilleure. Obiang Mambazogo, président de la République. Et maintenant un petit rappel des faits criminels, que longtemps détouffés, par la dissolution du pouvoir judiciaire. Esto puede servir mucho. Mi experiencia de vida es mi padre, mi hijo en vida. La famille est bonne. Les familles sont bien. Bah, tu es bon.
Je suis un peu plus de temps.